Ok les amis, C'est c'est mercredi mercredi. et on va. Chez la nounou. Je te rappelais plus où on allait là. Non, c'est pas ça, c'est que je cherchais une rime. Mais en fait, je peux pas faire de rime là. Non, Non. on va chez Mimi. Moi chez. Oui, moi chez Tata Mylène. Et Ouais. après, bah, on va profiter de notre journée. Pourquoi tu te décales de moi comme ça? Bah parce que sinon, En je vais amoureux. faire un gros plan Hein? sur mon poncho. D'ailleurs, si vous me laissez appuyer à m'avoir demandé, c'est sa mamie qui l'a fait, c'est ma maman qui lui a fait le poncho. Et je vais lui demander le modèle, comme ça je vais lui en faire un plus grand pour l'hiver prochain. Voilà, Parce voilà. qu'il est magnifique. Parce que j'adore, c'est super pratique pour le portage en écharpe. Il y en a plein qui demandent et c'est vrai que c'est mieux, je trouve, un poncho. C'est plus pratique. Donc, Bonjour. il y a du monde là en soirée. On a déposé le colis, les amis. Ouais, et là on rentre à la maison parce qu'on a trop trop faim. C'est l'heure du petit-déj. Ouais, il était temps. Il était temps. Il était temps, mais le petit-déj c'est sacré ici. C'est, bah, tu me diras, ça fait combien de temps qu'on est levé là? Au moins 1 heure et demie, quoi. Bah moi je me suis réveillée 8h30, Mais ouais, à ça chaque fait. fois qu'on dépose les chez la nounou, on traîne. Enfin, pas qu'on traîne, c'est qu'on Non, est non. speed. Et que donc, bah, C'est du coup, pas, petit-déj. on n'est pas toujours Voilà. speed, mais là aujourd'hui c'est vrai qu'elle s'est levée à 9h pour qu'on la dépose à 9h30, donc du coup. Ouais, c'est vrai qu'elle a traîné. Ouais. Bon, les amis, bon app. Yes. Si vous mangez ou pas, bref, voilà quoi. Bon Bon app petit-déj à si nous, vous quoi. êtes au Bon petit-déj app en à même temps nous. que nous. Dites-nous bon app, au moins, quoi. Bah Voilà. oui. Bon, Bibou, Oui. c'est quoi le programme aujourd'hui? Ménage. Vous êtes avec moi dans la salle de bain. J'ai décidé de vous partager ma petite astuce ménage. Après les astuces beauté, on passe aux astuces ménage aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais mon produit de nettoyant toute surface. Voilà. Et voilà, le produit est prêt. Il reste plus qu'à attendre que, comment dire, que les bulles, le gaz sortent parce que si vous fermez, ça risque de déborder. Donc généralement, je le laisse reposer un petit peu comme ça. Quand il n'y a plus de bulles, je le ferme. Et en tout cas, il est prêt à utilisation. Et voilà, il n'y a plus qu'à utiliser une lingette et puis on peut nettoyer absolument tout dans la maison. Bibou vient de filmer quelque chose là, mais t'as filmé ça pourquoi? On sait pourquoi. Pour le vlog? Bah ouais. Ou pour je sais pas, parce que ça faisait très tuto. Bah ouais, j'ai fait une astuce de beauté hier, je parlais de mon huile de coco et là je parle de mon nettoyant ménager. Non On mais. fait tout le temps le ménage dans le vlog, ok? On vlog beaucoup notre ménage. Donc je me suis dit, Pardon. autant vous montrer ce qu'on utilise pour faire le ménage, comme ça vous pourrez Pourquoi faire le c'est des ménage en bulles comme même temps que ça? vous. Parce que c'est comment dire, le bicarbonate et le vinaigre, ça fait une réaction chimique comme ça et c'est très très bon pour nettoyer toutes les surfaces. On dirait du Schweppes. En plus, c'est antibactérien, antifongique, c'est Ça sent. économique, écologique, voilà, 100% naturel, 100% maison, 100% pas cher. On avait demandé si le ménage allait les intéresser, je crois. Je me rappelle plus. Si, Si, on avait. j'ai pas encore vu ça, Dans donc un vlog, peut-être on que avait pas posé répondu la encore à ces question. commentaires. Ah, on n'a peut-être pas tout répondu. Il faut qu'on aille voir. Mais on vous le redemande si vous voulez le ménage, ça vous emmerde. Que vous aimez pas ça du tout. De toute façon, il n'existe Dites-le en aucune personne commentaire. au monde, même vous qui nous regardez, je suis sûre que vous faites aussi le ménage chez vous. Non, il y a des gens qui font pas le ménage. Il y a des gens chez eux, tu rentres chez eux, t'as Oui, l'impression après, sauf que. si vous avez une nénène qui fait le ménage pour vous. Ah oui, aussi. Mais nous, on n'a pas de nénène qui fait le ménage pour nous. Je suis Ouais. ma nénène et il est notre nénène aussi. Donc du coup, eh ben, on fait le ménage. Est-ce que ça vous intéresse de nous voir faire le ménage? Telle est la question. On attend votre réponse. Babouaf fait la machine hier soir et en fait il est tellement comment dire on voit pas ma tête c'est pas grave je vais le mettre comme ça
il est tellement, comment dire, malin avec le linge que déjà il ne sépare pas le blanc des couleurs. C'est-à-dire que là, il a mis du blanc avec... Non, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Avec ça. Ça, c'est une taie. Je sais même pas si on l'a déjà lavé un jour. Oui, mais c'est pour ça. Je croyais que c'était une vieille taie. Je me suis trompée. Parce que, par exemple, mon t-shirt qui est là, il déteint pas, lui. Oui, non, mais c'est mais pas ça, une... Ma... Ça, c'est vieille... une matière. Non, mais je croyais que c'était une vieille taie. Et donc... Donc ça a déteint un peu. Voilà, on a des trucs genre comme ça, mon joli petit body. On a... Ça, c'est le pire. J'avais un petit... Bon, d'accord, c'est Kaby, c'est pas le truc qui coûte 50 euros. Mais c'était un petit t-shirt que j'aimais trop. Voilà, il était blanc. Et maintenant, il est une espèce de couleur... une espèce de blanc Isabelle, là. blanc Isabelle, hein. Je sais pas si on dit ça chez vous. Hein. C'est ma mère qui dit ça pour dire un blanc vieux, passé, dégueu. C'est pas sympa pour les Isabelles. Non, le pire, c'est la brassière. Ouais, ma brassière Fitness Boutique, elle était blanche et maintenant, elle est... Dégueu. Mais non, regarde, elle est bien. Mon short, regarde, j'avais un petit brassière blanc. Du coup, c'était blanc, mais du coup, maintenant, c'est du bleu turquoise, tu vois, regarde. Et là, regarde, il y a une tache, bleu là, turquoise. Carrément. Oui, mais ça, c'est normal, ça, c'est toutes les lingettes où il y a du... C'est pas une lingette, c'est un gant, il n'y a pas de liniment dessus. Ouais, mais on s'en fout des taches, c'est ouf. Donc, du coup, ben, ah, ça aussi. Petit pantalon, trop mignon, blanc, maintenant, qui est, je ne sais pas, on peut même pas... C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, du coup, je suis un peu dégoûtée, depuis ce matin, ça m'a un peu contrariée. Donc bah, je vais essayer de passer tout ça à la Javel et essayer de ravoir. À la Javel? Mais oui, ça blanchit le linge, enfin, ça enlève la... Tu vas vraiment faire ça? Oui, je vais faire ça. Bah vas-y. Je vais essayer de rattraper le truc, quoi. Si ça marche. Oui, mais c'est pas taché, c'est juste que ça change. C'est déteint. Mais c'est beau, c'est un beau bleu, regarde. C'est dégueulasse. Et tu vas me dire que ça existe pas des vêtements pour bébés qui sont vendus, qui sont bleus non. comme ça? Non, non, ça c'est pas bleu, c'est... Ah. Donc je vais essayer de sauver sa bêtise, on verra bien. Bon, le ménage est fait. Après, ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui? On a plein de trucs à faire, je crois. Oui, on a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on tourne des vidéos. Ouais. On a... Le torchon, il est sale, je l'utilise pas pour sécher les mains. Mais pourquoi il est là? Ben, je l'ai pas encore rangé. Ah. On tourne des vidéos et puis voilà. Mais faut qu'on tourne des vidéos. Il y avait d'autres choses à faire aujourd'hui. J'aimerais bien que Babou aille faire quelques courses pour m'acheter des bananes et de la dacatine. Ouais, mais ça j'irai après quand Elena sera revenue à la maison. Faut qu'on aille chercher notre colis. Ouais, d'accord. Ce soir. On va essayer de tourner combien de vidéos? Au moins une, peut-être deux. En fait, dans l'idée, il y en a deux que ce serait bien qu'on filme aujourd'hui. Ouais, ou essayer. Une. On va essayer de faire ça. On peut faire une déjà, ce sera pas mal. Vous voyez, hein, quand on est seul à la maison, on se détend pas. On pourrait se dire, les mecs, ils déposent leurs filles chez la nounou parce qu'ils ont besoin de temps. Non, dès qu'elle est chez la nounou, on fait le maximum de choses possibles. Ouais. Parce que quand elle est là... Ouais, c'est time consuming. C'est time consuming, ouais, c'est ça, c'est chronophage. C'est chronophage. Chronophage. Ouais, ouais. Mais on aime beaucoup, hein, on aime beaucoup cette chronophagie. Ah, vous l'a pas dit, on a reçu notre panier TikTok ce matin. Oui, 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 et du coup, et donc ce midi on va faire une recette, je sais pas ce qu'on va faire. Je lis là en même temps, des briques au gorgonzola. Je suis un peu myope, j'arrive pas. Vous savez que je porte des lunettes, je sais pas si je vous l'ai déjà dit que je porte des lunettes depuis l'âge du CM2. Mais je les mets jamais. Mais elle les met jamais. Mais par contre, il faudrait peut-être... Briques au gorgonzola et endives caramélisées. Voilà, on va faire ça ce midi, voilà. Ok. Donc je pense que ça va être très bon parce qu'au vu de la photo, je pense qu'on va se régaler. Et d'ailleurs, en parlant de ce qu'on a reçu, attends. J'ai commandé une huile de coco et je vous ai dit que j'avais pris cette fois en grand format. Je me suis pris 1 litre, les gars. Ah ouais, ouais. 1 litre et c'était vraiment pas cher. 1 litre d'huile de coco. J'ai acheté ça sur Amazon. Non, en magasin bio, bon, vous connaissez maintenant, je vous parle souvent d'argent, de courses et tout. En magasin bio, l'huile de coco, ça se vend en 250 ou en 500 ml. Mmh. Mais très rarement. En 500, c'est même. 500, ouais, c'est rare. Mais ouais. Si ça se oui, trouve. Oui, si. Mais là, un litre, ok. Et c'était 12 euros, je crois, le litre. Donc ça. Va à Biocoop, à la vie claire ou quoi, tu trouveras jamais au litre. De l'huile de coco à 12 euros. Mais c'est pas de l'huile de coco désodorisée parce que vous faites pas avoir. Mais oui. Parfois vous trouvez de l'huile de coco, c'est moins cher. Et en fait vous rentrez chez vous et ça sent pas l'huile de coco parce qu'elle est désodorisée. Et moi j'aime quand. Enfin après ça dépend des goûts. Moi j'aime quand ça sent l'huile de coco et que ça a le goût de l'huile de coco. Ça dépend, parce qu'ils ont horreur de l'huile de coco. Oui, oui, oui. Donc voilà les petites astuces. Hein, donc évidemment sur internet encore ça, bien sûr, bien sûr. De toute façon, nous j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sur Amazon, j'achète toujours des trucs et il y a Babou qui est derrière qui dit
qu'est-ce que t'achètes encore? De toute façon, on prend plein de trucs sur internet, vous l'avez compris, ouais. C'est notre façon de vivre, chacun. Ouais. Il y en a qui aiment bien aller dans les magasins, mais. Nous, on préfère. Sincèrement. On fait plus d'affaires sur internet. Si quelqu'un m'avait posé la question si c'était mais mieux, qu'est-ce qui était mieux, en fait, on fait plus d'affaires, il y a plus de promos. Plus, mais bien sûr, voilà. Oui, mais oui. On cuisine à deux ce midi, les amis. À deux, c'est plus rapide. Bibou s'est rendu compte que j'étais pas non plus le mec le plus efficace au niveau de la cuisson et de la cuisine. C'est surtout qu'il m'a appelé, allez. Non, et puis là, il est midi et on a faim, donc si c'est moi qui commence à faire tout, on ne mange pas avant 1h30. Là. Bon, les amis, bon appétit. C'est moi qui fais le grillage. Magnifique assiette, sincèrement. Eh, par contre, ça a l'air. On mange à la main, voilà. Mais tu prends. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se sert, d'ailleurs. Mais non, faut joli. Le couper en deux. Faut le couper en deux et faire des trucs. On le fait ou on le fait pas? Ouais, vas-y, on va le faire. Ouais, c'est parti. Peut-être avec le couteau. Ouais, prends celui-là. Il est là, là. Waouh, waouh. Miam, 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 miam. Bon appétit! Bon, je vais filmer une vidéo et j'attends que Babou il sorte parce que sinon c'est. Il m'écoute, il fait du bruit avec la porte. Allez, vole! La recoupe! Mais vole, petit oiseau! Oui, mais je vais recouper, ok? Ouais, ok. Allez, on a revu ça. Deux séances Fizzup qui sont en ligne et en temps réel sur les dimanches. Puisque un dimanche sur deux, je filme une séance. Je vais me pendre. Ce téléphone est insupportable. Je ne peux pas parler. Mais c'est quoi cette merde? Oh, mais qu'est-ce que c'est insupportable, la technologie. Mon Dieu Seigneur, quoi. Reprenons. Bref. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je sais plus ce que je disais. Merci. Merci Samsung. Que je disais. Voilà, voilà. Ah oui. Sur la chaîne, je filme une séance en temps réel. Je viens de filmer une petite vidéo pour la chaîne Fitness Bien-être. Donc je vous le dis en avant-première, j'ai fait une vidéo en fait pour vous parler de ma remise en forme. Ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je compte faire pour me remettre en forme. Pour cet été, pour les spectacles de danse et tout ça. Et la vidéo est pas très longue. De ce que j'ai vu, je crois que j'ai filmé parce que le temps il s'affiche en haut. J'oublie tout le temps de le regarder. Babou il se fout de moi, il s'énerve après moi parce que je regarde pas le temps et que je parle trop. Et là je crois que j'étais à moins de 10 minutes. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un peu trop blablaté. Donc j'espère que je vais pas me faire gronder. Il fait super beau. Et j'ai très envie d'aller dehors et je sais pas, franchement là je me sens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir plein de temps et à la fois de perdre mon temps parce que je sais pas, parce que Elena elle est pas là et c'est la première fois que ça me fait cette sensation bizarre de qu'elle soit pas dans la maison et que c'est pas que je me sens perdue mais j'ai l'impression que bah, ma journée est moins réglée quoi, j'ai l'impression d'être un peu perdue. C'est l'heure de la séance Fizzup du jour. Pas mal mon plan, hein Babou? Ne me remercie pas, c'est pour moi, c'est cadeau. La séance du jour, elle dure 40 minutes sans les étirements. Donc je fais pas les étirements aujourd'hui, 40 minutes. Je viens juste de faire l'échauffement, je suis déjà KO. C'est bien là comme ça. C'est mieux, t'as vu? J'ai coupé tout le gazon. C'est mieux. Hein, on dirait qu'il est beau. T'es tombé sur des crottes ou pas? Mais j'ai déjà ramassé les crottes avant. Non mais
Il n'y en avait pas de soupe perdue? Il y en avait une, mais ça va, je l'ai mangée. Ah, bien. Papy t'a appris à le faire. Voilà. On va récupérer nos deux colis, notre bébé et le colis. Et on est en retard. On est en retard, ouais. Comme d'habitude, hein, nounou égale tout le temps en retard. C'est ça. Je pense qu'on prend trop les choses à la détente, quoi. C'est... Enfin, quand je dis on est en retard, c'est toujours de 3-4 minutes. Oui, de, hein. Voilà. C'est jamais plus de 5 minutes. C'est jamais plus de 5 minutes, donc voilà. Ne vous affolez pas non plus. Oui, et surtout qu'on est en retard à l'aller aussi. Donc, oui, voilà. Finalement. Ça compense. Voilà. Bonjour. On a récupéré nos deux colis, les amis. Oui. C'est fait. Le colis. était tellement trop gros qu'il rentrait pas dans le petit caddie mamie. Il rentrait pas dans la chariote. Mais en plus, Bibou, elle a commandé de la lessive en poudre. En poudre, ouais. Enfin, en 5 kilos. Donc c'était trop lourd. Mmh. D'où la chariote, mais le colis ne rentrait pas. Oui, donc il a fallu l'ouvrir dans le magasin. Exactement. Mais c'est fait maintenant. La chariote roule. Elle est là, elle roule derrière moi. On est rentré à la maison, les amis. Et dans la boîte aux lettres, il y avait quoi? Il y avait ça! Des prospectus. Eh oui, ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas de prospectus dans la boîte aux lettres, vous le savez, hein, je me suis déjà plein de fois. Et le monsieur qui distribue les prospectus est ressuscité. Il était mort, il est revenu à la vie, il refait sa petite tournée. Merci à toi si tu me regardes, parce que sans prospectus, comme vous le savez, je suis démuni. Je ne sais pas quoi faire. Merci! Vous pensez peut-être que c'est une blague, mais c'est pas du tout une blague. C'est-à-dire qu'on est rentré, le sac à langer, on n'y a pas touché, mais par contre, les prospectus, ça, hein, c'est à manquer, hein. Ah, grave. Non, mais vous imaginez pas à quel point c'est vrai, en plus. Hein. C'est l'heure du sport. J'ai fini l'échauffement. J'attaque le renforcement musculaire. Je suis déjà mort. Entraînement fini, les amis. Ah. Oh. 28 minutes. Je suis mort. Je suis mort. Finito, 28 minutes tôt. Toujours avec Fizz Up. Fizz Up. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé les abdominaux cool? Trop facile, parfait, trop difficile? Parfait. Des fois, ils demandent à la fin de Fizz Up, à la fin de l'entraînement, justement, ils demandent est-ce que c'était facile, difficile. Comme ça, ça ajuste le niveau, vous savez. Ça, à l'entraînement d'après, du coup, ça ajuste et ça vous baisse un peu ou ça vous monte un peu et du coup, ça s'adapte très bien. Donc, je voulais dire quoi? Ah, je suis mort. Je bois un coup et je vous reprends si je reviens à la vie un jour. Donc, je disais, il y en a beaucoup d'entre vous qui demandent pourquoi je fais mon sport avec ça. Et il y en a même qui ont dit que c'était pour la mise en scène. Merci à vous, vous m'avez fait beaucoup rire. Non, c'est pas pour la mise en scène, c'est juste que j'ai pas tenu de sport, les amis. C'est tout. Je vais bientôt en recevoir. Faut aussi bientôt que j'en achète. J'ai pas de short en fait de sport. J'ai rien de sport. Voilà, je suis pas un sportif. J'aime pas mes jambes. Là, je vous les montre, mais bon, j'aime pas ça. Ah, donc, j'ai pas de short de sport. J'ai que des Bermudas. Vous les avez vus 20 000 fois. Mais, enfin, mes jogging, vous les avez vus plein de fois. C'est mon seul. J'ai que 2 ou 3 shorts comme ça et c'est que des shorts en jean. Voilà, pour répondre à votre question, vous avez été très nombreux à vous la poser. Les amis, ici s'achève ce vlog. Et bon appétit. Yes, hein? Bon appétit. Bon appétit, franchement ça a l'air super bon, je sais plus ce que c'est. C'est le même repas qu'on a, hein. On a des assiettes très différentes, mais c'est le même repas. Ici il y a plus de pâtes, ici il y a plus de coriandre. Ah oui, oui, non, c'est la même chose, mais on se sert toujours, oui. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Mettez-nous un pouce. N'oubliez pas le mettre. Bleu, vers le haut. Et de commenter, évidemment. Voilà. Et de partager. Et de vous abonner et tout. Voilà. Quand Bibou est aux toilettes, elle joue à Candy Crush. C'est le seul moment de la journée où elle joue. Voilà. Je tenais à vous le dire, les amis. Et là, ça fait un quart d'heure qu'elle y est, et alors que moi, elle m'engueule quand je reste trop longtemps aux toilettes. Hein? Je tenais à vous le dire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je suis en train de filmer des trucs dans la cuisine.